bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Stéphane Pocra, Claude Sarotte, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoine, Elsa Fayer et le retour parmi nous de Raphaël Mesrahi. Raphaël, vous nous avez manqué, hein. Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Oh, je fais pas mal de choses. Je fais un peu de jardinage, un peu de quad. Voilà. Du quad, c'est de la moto à quatre roues, parce qu'autrement je tombe, autrement je... Et j'ai beaucoup dormi aussi. Beaucoup dormi? Oui, un mois. Ça se voit, vous avez un côté poupon, voilà. Un côté... J'avais envie de me reposer un peu. Quoi. Ah, pour ça, j'ai écrit un poème, Raphaël. Ouais. Alors ça fait « Cher Raphaël, sans toi je suis comme un oiseau sans zèle. Zèle, ouais. Il est parti, mon Mesrahi, il me manque un ami. » C'est magnifique. Bruno Mazur, si tu nous regardes. Ah, on se marre bien ici, je suis content d'être venu. Vous êtes revenu en plus pour la 400e de cette émission. C'est la 400e aujourd'hui. Bravo, bonne émission. Bravo, patron. Ouais, comme tu disais, ça ne nous rajeunit pas. Claude, vous étiez là au début. Oui, oui, tout à fait. Au début, Isabelle aussi. Moi aussi, oui. Voilà. On est les deux survivantes aujourd'hui. Ben, ça se voit. Claude, vous vous souvenez de la première? Très bien. T'as eu peur? Non, ce qui m'a surprise, j'ai vu la caricature, la mienne, et je me suis dit, mais je suis formidable. Je me voyais plus moche que la caricature. C'est vrai? Oui. On peut la revoir, la caricature de Claude? Ah ouais. Tu ne te gâtes pas quand même. Donc vous n'êtes pas gâtée, c'est vrai là-dessus, Claude. Non, moi je me croyais plus moche encore que ça. Ah oui, oui. Vous êtes très belle, Claude. Je suis sûr, Claude, que vous pouvez re-signer pour 400 autres émissions. Ah oui. Oh, ça m'étonnerait. Si l'été prochain est frais. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle par Sénéguer, évidemment. Ça y est, il a été élu gouverneur de Californie. Les Américains n'ont plus qu'à donner le Texas à Sylvester Stallone, la Floride à Bruce Willis, le Colorado à Harrison Ford, le New Jersey à Tom Cruise, le Kansas à... On avait oublié celui-là. Et l'Arizona à Keanu Reeves. Et avant un an, c'est toute la planète qui explose. Franchement, c'est terrible, ça fait peur quand même. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il laisse New York à Woody Allen. Au moins, ce serait de gagner. Bien, ouais. Claude, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis ravie. J'étais à fond pour lui. Mais je comprends pas pourquoi tu étais à fond d'abord, pour lui. Quand on est un peu journaliste, tu te rends compte de ce que ça va être amusant. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va s'y prendre? C'est passionnant pour nous. Est-ce qu'il sait lire? Tu vas faire des conneries. Mais attention, quand même, rappelons que Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie et que la première personne qu'il a remercié ce matin, on a vu ça sur CNN, c'était sa femme, Maria, qui l'a soutenue malgré les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui. Il paraît même que Madame Schwarzenegger avait envoyé une lettre à tous les médias américains, lettre dans laquelle elle écrivait « Je tiens à affirmer sur l'honneur que mon mari n'est pas un obsédé sexuel. Il n'a jamais harcelé sexuellement qui que ce soit. Il ne pense pas qu'à faire l'amour tout le temps. Je le jure. Post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. » Mais comment on l'appelle là-bas maintenant? Californicator. Allez, une autre photo, celle d'Alain Juppé qui tient bon devant la barre du tribunal de Nanterre dans le fameux procès sur les emplois fictifs. Le Parisien titre même ce matin « Juppé nie tout en bloc ». Au RPR, tout le monde savait qu'il y avait des emplois fictifs, sauf lui. Et ça, c'est une belle trouvaille d'avocat parce qu'en gros, sa défense hier à Alain Juppé, ça a été « Vous savez, je suis tellement pas sympathique, je ne m'intéresse tellement pas aux autres que personne n'a jamais rien osé me dire. » Et ça, pour prouver le contraire, les juges vont avoir du boulot. C'est vrai. Une autre photo, celle du Premier ministre qui, en déplacement à Moscou, s'est montré pessimiste sur l'état économique de notre pays. Bon, M. Raffarin n'a pas dit que la France était en récession, mais il a dit qu'on était en état récessif. En gros, le gouvernement n'est pas dans la merde, il est dans un état merdif. Merdif, hein, j'ai pas dit MEDEF, même si dans les deux cas, c'est le baron Ernest Antoine Seyer qui en est le responsable. Je sais pas si vous avez bien vu le Premier ministre sur cette photo, mais regardez les lunettes. Même les lunettes chutent de plus en plus bas. Comme quoi, il y a vraiment besoin d'un bon tour de vis dans toutes les branches.
Autre photo, celle de Martine Aubry qui fait aujourd'hui son comeback médiatique afin de répondre aux attaques sur sa fameuse loi des 35 heures tant critiquée. Elle n'a pas réagi plus rapidement parce qu'elle avait pris ses RTT. Il y a même une collection qui explique les RTT de Martine. Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine en forêt et Martine à la campagne. Il était temps. Il était temps, mais ce qui lui a pris du temps, c'est sa cure d'amaigrissement. Elle a fondu, bah oui, regarde. Oui, ça c'est une photo d'il y a 3 ans, mais enfin bon... Ça vous intéresse vraiment la politique, ah, j'adore. Hein, quand c'est con. Oui, évidemment. Cyclisme, avec le championnat du monde du contre-la-montre féminin, aujourd'hui à Hamilton, au Canada, et regardez, oui, Jeannie Longo est toujours là. Oh, c'est pas gentil. Si, c'est vrai, je vous jure. Elle y était aujourd'hui. La retraite des cadres, c'est pas pour Jeannie. À mon avis, il va falloir l'opérer bientôt. L'ablation de la bicyclette, faudrait que quelqu'un y pense pour Jeannie Longo. C'est terrible à dire, mais on a l'impression que le jour où on lui enlève son deux roues, elle crève. Oui, c'est possible. Franchement, le pire, c'est qu'elle fait toujours partie des meilleurs. Avec toutes les courses qu'elle a gagnées, je pense qu'elle aurait eu les moyens de s'acheter une mob, et toujours pas. C'est pas faux. Mais c'est sa vie pour la bicyclette, quoi. C'est ça qui est dingue. Ce qui est formidable, c'est pas qu'elle soit sur son vélo, c'est qu'elle gagne encore. Il n'y a pas de concurrence ou quoi? C'est vrai, c'est ça, c'est une bonne question. Il y a peut-être pas d'autres filles qui font du vélo. Bah, peut-être qu'elles courent toutes seules, on a vérifié s'il y avait quelqu'un en même temps. Mais non, mais c'est pas ça, mais les autres, elles ont 55 ans, donc... Elle est jeune. Une autre photo, celle de la publicité pour une marque de string qui va être retirée de l'affiche dès aujourd'hui. Quel dommage. Ouais, on les verra peut-être encore dans Culture Pute, mais il était temps qu'on les enlève parce qu'au moment où les chiffres de l'alcool au volant sont en train de baisser, vous le savez, on nous l'a dit aujourd'hui, au moment où les lois sur le portable au volant sont de plus en plus appliquées, de telles affiches seraient pu nuire aux chiffres de la sécurité routière. Mais vous conduisez, vous voyez ça. Ou alors, si vous voulez garder ces affiches dans les rues, il fallait multiplier les contrôles bandeau-test, voire même multiplier la branlette avec kit main libre. Isabelle, je me tourne vers vous parce que beaucoup d'associations féministes ont reproché à ces affiches d'être trop sexistes. Le jour où on verra des mecs sur les pubs, genre à quatre pattes avec des trucs qui dépassent et qu'on voit comme ça, vous vous sentirez peut-être un petit peu objectivé et peut-être ce jour-là vous comprendrez quel est le problème. Faut acheter le calendrier du Stade français pour ça. Par exemple. Ouais, c'est vrai. En tout cas, la pub est faite, hein, on ne parle que d'eux, donc quoi qu'il arrive, même s'ils retirent les affiches publicitaires. Ah ouais, mais c'était prévu de les retirer parce que c'était sur 8 jours et que de toute façon, ils les auraient retirées. Hein, exact. Voilà. Raphaël. Moi, je suis pour. Vous portez un string? Oui, bien sûr. Ouais, non, mais ça, c'est rien, c'est que des fois, ils nous le montrent. Et là, je dis non. Allez, on termine par le film du jour. Toby Maguire à l'affiche de Pur Sang. Toby Maguire, c'est lui qui jouait Spider-Man. Alors, pour Pur Sang 2, Hollywood pense déjà à Superman, mais ce sera de l'attelé. Dimanche dernier, à l'hippodrome de Longchamp, a eu lieu le 82e prix de l'Arc de Triomphe, cette course de chevaux très prestigieuse qui réunit les meilleurs pur sang de la planète. C'est celui qui était annoncé comme favori qui a remporté le trophée, vous le savez, il s'appelle Dalakani, mais un bon cheval ne serait pas grand-chose sans un bon jockey. L'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Et le jockey qui était sur le dos de Dalakani dimanche s'appelle Christophe Soumillon. Il a 22 ans, il a parfaitement monté Dalakani durant toute la course. On attend d'ailleurs les résultats du test de grossesse, je déconne. Le jour de la sortie du film américain Pur Sang actuellement sur les écrans, eh bien nous avons eu l'idée et le plaisir de recevoir ensemble un vrai jockey, j'allais dire français, non, il est né en Belgique, mais en tout cas celui qui a triomphé dimanche au prix de l'Arc de Triomphe, voici Christophe Soumillon. Bonsoir, bienvenue et bravo. Merci. Moi, j'ai vu la course, j'ai regardé ça sur Canal dimanche. On s'est dit, oh là là, ça a l'air mal barré, il est quand même dans les derniers chevaux au départ. Et puis, au dernier moment, le cheval dépasse tous les autres. Oui, en effet. Bon, c'était pas principalement la tactique qui était prévue avant le coup. Et puis, au fur et à mesure de la course, j'avais confiance en mon cheval parce que pour moi, c'était le meilleur. Et... Alors, le meilleur cheval, mais apparemment avec le meilleur jockey aussi, parce que vous, c'est assez incroyable. Vous avez 22 ans, vous avez gagné alors, cette année 164 courses. Et je crois qu'il faut que vous atteigniez 200 pour battre le précédent jockey qui a eu le record de nombre de courses gagnées en une année, c'est ça? Oui, c'est ça. Il nous reste 2 mois et demi quasiment de course, donc là, je vais tout donner. Tout donner. Incroyable. Ça ne vous suffit pas, l'Arc de Triomphe? Non. Et vous souhaitez encore gagner l'Arc de Triomphe?
Bah, je l'espère bien. Mais parce qu'à 22 ans, on a encore combien d'années devant soi sur un cheval? Logiquement, la carrière d'un jockey s'arrête à peu près à 40 ans. Ah, vous allez être la Jeannie Longo du cheval, vous, alors. Stéphane Pocrin. D'abord, moi, j'adore, depuis toujours, depuis que je suis petit, j'adore le monde des courses et tout. J'adorais Cash Asmussen, Yves Saint-Martin, Freddy Head. J'ai grandi en lisant les journaux de turf et tout. Non, pas les 11 litres de nuit, ils couraient pas, ils commentaient. Et vous, en plus, je vais vous dire pourquoi je vous aime bien. Parce que tous vos collègues disent que vous êtes un sale con. C'est-à-dire qu'ils disent, ce mec, il veut que gagner, il est pas sympa, il maltraite ses chevaux et tout. Et vous, vous êtes là, concentré sur votre truc, et vous voulez être le meilleur en tout. Alors moi, je suis, en général, je raisonne tellement pas comme ça que du coup, vraiment, je vous admire. Et je vous souhaite vraiment de pourquoi réussir. Pourquoi ils disent ça, les jockeys, alors? Vous savez, c'est un métier différent des autres. Si jamais je gagne tout, eux gagnent automatiquement beaucoup moins. Oui, ça oui. Et je leur enlève en sorte leur gagne-pain, quoi. Donc. Alors, le fait que, par exemple, on dise que vous maltraitiez les chevaux, là, je dis le contraire. Moi, je dis qu'il n'y a jamais eu un coup de cravache, par exemple, sur le cheval. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été dressé dans une école où on me demandait toujours d'emmener le cheval le plus aux ordres possible. C'était un petit peu comme à l'armée. Et malheureusement, j'ai gardé toujours cette petite technique. Oui. Donc, j'utilise beaucoup la cravache. Mais pas sur lui. Non, pas sur lui. Pas sur de la canine, il n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas besoin. Et puis, parce que je l'aime aussi beaucoup et qu'on me l'a demandé. Il vaut 35 millions de francs. 50 millions maintenant. Ah, 50 millions, il a... De francs ou d'euros? D'euros, 50 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que bientôt dans les courses, il va y avoir des braquages? Des mecs qui vont débarquer sur la piste pour piquer le cheval parce que c'est impossible. À ce prix-là, c'est incroyable, vous avez 300 millions de francs. Mais si vous le prenez, de toute manière, il ne vous sert à rien. Si tu vois un mec qui court avec le cheval dessus, c'est un braquage. C'est mais... le cheval, là où il a de la valeur, c'est quand il rentrera avec l'entrée des saillies. Il faut compter une saillie de Dalakani, ça va peut-être valoir 60 à 100 000 euros. Et si il saillit 100 juments... dans une année, faites le compte. Quoi. C'est... Et il le vit bien de devenir un gigolo comme ça? Ah oui, mais non, c'est un plaisir pour le cheval. Oui, ça, ah bah pour oui, nous aussi. Pour tout le monde. On n'a pas beaucoup à être forcé, j'imagine. Qu'est-ce qui est important? Parce que on est là, on est un peu profane dans ce milieu-là. 164 victoires, est-ce que c'est toujours avec lui depuis le début de l'année ou est-ce non, que... non, voilà. Heureusement, donc ça veut dire que vous êtes capable de gagner sur d'autres chevaux que Dalakani. En effet, donc cette année, j'ai la chance de travailler pour Son Altesse Lagacan, donc qui est l'un des plus grands propriétaires du monde. Obligé de dire Son Altesse? Oui. Obligé. Si tu veux garder ton, boulot, oui. Raphaël? Ouais, mais si vous voulez, bon, bah, les courses, moi, je m'y connais quand même parce que j'ai déjà joué au tiercé avec mon père il y a 12 ans. Et on avait à Longchamp. À l'Ouest, on avait joué pour une de mai. Et elle a gagné. Moi aussi, mais le fils, une de mai deux. Il y avait même Chirac qui était là, et Isabelle Adjani, vous les avez rencontrés après. Elle a fini combien? Juste après la course. Elle a fait combien? Même Chirac monté par David Douillet. Non, mais vous les avez rencontrés après? En effet, juste pas Madame Chirac, juste Isabelle Adjani, puis Madame Lagardère. Madame Lagardère, évidemment. Et un film qui sort aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle, parce que je sais que vous l'avez vu deux fois même, je crois, oui, déjà. C'est un film qui s'appelle Pur Sang, avec Toby Maguire. Bande-annonce de Pur Sang. Il a l'air très rapide. Ouais, il fonce sans savoir où aller. Il a besoin de réapprendre à être un cheval. Jusqu'où vous voulez que je l'emmène? Jusqu'à ce qu'il n'avance plus. Yeah, yeah. Votre cheval vient de battre le dernier record de Tanforan. Je serais prêt à parier que ce canasson si biscuit serait incapable de terminer une course. Toby Maguire, Jeff Bridges, nominé aux Oscars, et Chris Cooper, récompensé aux Oscars. Ne t'arrête pas! Ne t'arrête jamais! Pur Sang, la légende de si biscuit. Pur Sang! Avec... Maintenant que j'ai entendu la bande-annonce, Pur Sang avec Toby Maguire. C'est... Parce que bêtement, je disais Toby Maguire, moi. Eh oui. Toby Maguire. Est-ce qu'il est crédible, alors? C'était Spider-Man, il n'y a pas longtemps, à l'écran. Est-ce qu'il est crédible, Spider-Man, bon, sur il a vraiment cheval? Assuré. Et même moi, quand je regarde les bandes-annonces, j'en ai encore des frissons. C'est vraiment vous quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, franchement, ouais, moi, j'aime bien. Vous... C'est magnifique. Vous lui parlez dans l'oreille à votre cheval quand il court aussi? Vous lui dites des pas trucs? Dans le parcours, dans le parcours. Qu'est-ce que vous lui dites? On a droit à la gauche. Avance, feignasse. Non, je lui parle comme je parlerais à mon petit frère pour lui donner des conseils ou à ma copine. Peu importe, je parle, je lui dis ça va. Ah, comme sa copine. Allez, encore, encore. Elsa Fayer, un petit test. Allez, un petit test. On avait envie d'en savoir un petit peu plus sur votre vie intime et on a décidé de vous montrer les photos de vos dernières conquêtes. C'est des photos
de quelques chevaux. La B. Il sait. De comment là, la B? Vous avez même pas regardé encore? Je reconnais tout de suite. Et c'est selon vous, Dallacani? C'est sûr. À quoi vous le reconnaissez? Ça, son œil et ses oreilles. Bah déjà, il y en a un qui est gris, c'est pas très malin. L'autre. Il y en a un qui est un peu. Franchement, vous me prenez pour un con ou quoi? Non, mais regardez, entre le A et le B, quelle je suis désolée. Quelle est la couleur du cheval blanc dans le cas? C'est vraiment ça. Il y a deux chevaux, c'est impossible. Même moi, j'aurais su que c'était pas le C et le D. J'aurais hésité entre le A et le B, et encore que, déjà, rien que comme ça à l'œil, on voit que le B a l'air plus beau que le A. J'ai voulu être sympa aussi, avec notre invité, c'est la première fois qu'il nous rejoint sur le plateau, j'ai voulu le chauffer un peu. Ah bah quoi. C'est réussi. Plus, hein. Justement, moi qui commence à connaître un peu le milieu de l'équitation, on sent bien qu'il y a vraiment une séparation, une fracture entre le milieu des courses, le milieu où on fait courir les chevaux, et le milieu du saut d'obstacle, le milieu du dressage, où c'est peut-être plus noble. C'est deux mondes différents. Pourquoi cette séparation? Parce que les gens qui font en général du jumping ou ce genre d'équitation ont les moyens d'avoir des chevaux et en général sont issus d'une famille assez bien huppée, comme on dit. Et nous, les jockeys, on travaille comme des forcenés dès l'âge de 14 ans pour essayer de gagner notre vie et on ramasse les crottins, ce qu'ils ne font quasiment jamais parce qu'ils ont des gens pour le faire. On arrive à les dépasser avec déjà au niveau des bénéfices parce qu'au niveau des courses, il y a énormément d'enjeux financiers. D'enjeux par rapport au jumping, et puis on est beaucoup plus médiatisé à l'heure d'aujourd'hui. Donc ils vous envolent. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Eux, leur argument, c'est de dire ils traitent mal les chevaux, nous on a le respect du cheval, pas eux. Je crois que si on va voir leur dressage, ça revient à peu près au même que le nôtre, et il est certain que c'est tout à fait différent comme métier, il ne faut pas confondre les deux, et chacun a sa place. Parfait, bah, on va vous remercier, Christophe Soumillon. Et on va vous souhaiter donc les fameuses 37 victoires qui vous manquent d'ici au 31 décembre. On va suivre ça de près. Hein. Non, si jamais vous les battez, ces 37 victoires, vous revenez nous voir? Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Christophe Soumillon. Aujourd'hui sort Le Temps du Loup, un film de Michael Haneke avec entre autres Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Ron Hartner et même Patrice Chéreau. Un beau casting. Ce film est un huis clos qui ne se rattache ni à une époque, ni à un lieu précis, dans une atmosphère de fin du monde. Et puis, ce film amène le public à se poser des questions fondamentales comme par exemple, quand est-ce que ça se termine? En espérant que ce n'est pas valable pour le film. Pour tester ensemble ce film de Michael Haneke, Le Temps du Loup, accueillons l'une des actrices de ce formidable casting. Rona Hartner. Salut. Salut. Content de vous revoir, Rona. Salut Stéphane, ça va? Elle connaît un peu tout le monde parce qu'on a fait un peu de radio ensemble, mais nous allons essayer d'être professionnel comme si on ne se connaissait pas. Comme si on ne se connaissait pas. Bonjour, je suis tout émue de vous voir, je devrais m'amener. Voilà, ça c'est parfait. C'est pas crédible, mais c'est parfait. Vous êtes à l'affiche de ce film Le Temps du Loup avec, alors c'est vrai, d'autres comédiennes incroyables, Isabelle Huppert, Béatrice Dalle. Comment ça s'est passé le tournage de ce film avec... Parce que c'est des vraies personnalités ça quand même. Vous, vous êtes une vraie personnalité, un peu barrée parfois. Vous êtes dingue. Voilà, par exemple. Et les deux autres, elles sont pas mal non plus. Alors, oui, c'est vrai. Il a fait Michael Haneke pour diriger ce petit monde-là? Mais vous savez que lui, il est fou. Aussi, il voilà. Et non, mais c'était... On avait chacun notre roulotte. Oui. Alors on était fermés dedans. C'était un truc, un lieu horrible. Et donc, c'était assez désolant. Donc, la fin du monde, on l'a vécu. Oui. On s'est commencé, c'était très dur. Vous le voyez aussi dans le film. Et donc, pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on a créé quelques liens entre nous parce que c'était obligé. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Parfait. Bande-annonce du film Le Temps du Loup. Oui, Benny. Cher papa. Maintenant que j'ai trouvé des crayons et du papier, il faut absolument que je t'écrive. Il se passe tant de choses et... Tu finis par te tuer. Il n'y a personne à qui parler. Mais bientôt, j'espère. Je ne sais pas si tu peux désormais voir... Je t'avise pas de revenir. Ou lire ou entendre ceci, ni si tu peux percevoir quoi que ce soit, mais... Il y a plein de fois par terre. Mais je voudrais tellement y croire. Benny! Le Temps du Loup, un film de Michael Haneke, qui a été présenté hors compétition à Cannes. Vous avez monté les marches du Festival de Cannes pour ce film, hein, mais c'était hors compétition. Vous jouez quoi, vous, là-dedans? Une roumaine à qui lui meurt sa fille. Ah.
Et ouais, ouais, tu vas souffrir. C'est amène tragique. Les mouchoirs et tout. Moi, j'ai envoyé deux camarades à moi. Trois camarades même sont allés voir le film. Il y a Isabelle Alonso, il y a Stéphane Pocrin, mais il y a aussi Jean-Luc Lemoine. Alors moi, j'ai adoré. C'est un classique et il y a un suspense énorme. Et c'est vrai que c'est une délivrance à la fin quand Nouf Nouf construit la maison en briques pour sauver les trois petits cochons. Oui, oui, c'est ça. Mais on n'a pas mixé ça. Tu as vu la variante longue. Moi, j'avais vu la version originale. On m'a dit que c'était un remake. Ça n'a rien à voir. Alors. Non. Ah, c'est pas Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Non. On est loin. C'est pas le grand méchant loup, c'est le temps du loup, Jean-Luc. Ah, je suis désolé. Mais à propos des réactions du public à Cannes, c'était très partagé. Moitié, ils ont hurlé. Moitié, ils ont applaudi. 5 minutes standing ovation. Un peu comme la presse, hein, génial, ce matin. Avant de donner la parole à Pocrin et à Alonso, je vois par exemple que Télérama a adoré. Hein, le petit bonhomme est souriant dans Télérama. L'apocalypse, selon Haneke, cruel et fascinant, dit Télérama. Le canard enchaîné, ils n'ont pas trop aimé. Mais les canards. Hein. Ils disent on reste perplexe devant ce film de Michael Haneke, le genre de film où tout peut arriver, à commencer par n'importe quoi. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis vous avez Le Figaro, qui a plutôt bien aimé Le Figaro, paysage de désastre. On voit bien quand même que c'est un film sombre. Stéphane Pocrin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. En plus, je ne veux pas me fâcher avec Rona Hartner, donc vraiment, j'ai adoré le film. Mais c'est vrai que toutes les mauvaises critiques que vous lirez sur ce film sont vraies également. Parce que c'est un film, lorsque je suis allé le voir, il y avait Michael Haneke dans la salle et qui a dit avant de commencer le film, je vous souhaite une projection irritante. Et bien, c'est vrai que c'est un film irritant, dérangeant, des fois on ne comprend pas bien ce qui se passe et tout. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment du cinéma parce que c'est un cinéaste libre. Il a sa vision artistique, il va au bout de son truc. Et Rona, elle est comment là-dedans? Rona, elle est très très bien. Oh, d'accord. Isabelle Alonso. Rona, méconnaissable. Complètement. Alors, après, il y a Béatrice Dalle et son mari, comme elle a dit, qui sont arrivés dans la salle. Donc, il y avait Joey Starr qui était à 10 mètres de moi. Déjà, j'étais comme ça. Et alors là, on a vu le film. Alors, j'imagine que si j'étais en Tchétchénie, si j'étais à Grozny, dans une ville qui vient d'être bombardée, où il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, rien à bouffer, des rats partout, et si on me projetait un film, on me projetterait un truc vachement gay, une histoire d'amour sentimentale qui finit bien pour que je me sente mieux. Mais là, comme on est des Occidentaux gavés avec 3 kilos à perdre, des problèmes pour l'organisation des vacances de Noël, on nous projette un truc sans espoir, tout noir, affreux, avec les pires fantasmes que vous pouvez avoir sur ce qui se passerait un jour s'il y avait juste une guerre atroce ou quelque chose. Et donc, heureusement qu'on sait que juste après, on va aller dîner sur le Faubourg Saint-Germain et qu'il fait très très bon, parce qu'autrement, ce film vous donne envie de mourir. Ouais. De mourir tout de suite avant que ça devienne comme ça. Ça provoque un vrai catharsis. Donc, je vous dis tout de suite, n'y allez pas. Non, ouais. Moi, je trouve que ça provoque un vrai catharsis. Et on s'est ému d'une... Émeu. Voilà. D'une... Je vous aime beaucoup aussi. Émeu. Et on s'est ému d'une situation dans laquelle on n'est pas, confronté, justement. On arrive à s'identifier avec les personnages et on voit qu'est-ce qui se passe avec un couple bourgeois qui se décompose pendant une semaine et ça devient des loups. Ouais. Tout le monde devient des loups. Et les enfants, justement, non, Hakim... Ils deviennent pas des loups. Ben, ils deviennent des loups quand même. Ah, mais t'as rien compris au film dans lequel t'as joué. Dis-moi, Rona, est-ce que tu n'as pas joué dans un film de... Ivory, James oui, Ivory, qui va sortir tout de suite. Aujourd'hui. Mais c'est ça qui est dingue. Alors raconte. Vous êtes à l'affiche de deux films en même temps, c'est-à-dire Le Temps du Loup de Michael Haneke et un autre film qui sort aujourd'hui, Le Divorce de James Ivory. Bon, vous avez un petit rôle, j'imagine, dans ce film. Oui, je suis... c'est à cause de moi qu'il se passe le divorce. Et vous chantez toujours alors? Oui, je chante. On est allé vous voir, vous chantez sur scène à Paris. Hein, Jean-Luc, il fallait la voir parce qu'elle a une énergie sur scène, je sais pas, je pense que dans le biberon, on le mettait du café. Je bois du café le matin, c'est tout. Je crois même que vous utilisez le marque de café. Non, pas du tout. Ah bon? Ah, je suis catholique, je crois, un pratiquant. Il vous laissait aller à l'église, Haneke? Je n'avais pas aucune église dans le coin, mais j'allais quand même le dimanche à Vienne. Et vous voulez rester chaste, non pas vierge, parce que c'est trop tard. C'est trop tard, voilà. Ouais. Mais chaste jusqu'au mariage. Oui, voilà. Et depuis février, je garde ce défi. Depuis février? Oui. Vous tenez depuis février? Avec tout. Et j'ai maigri, je suis plus belle. Vous avez un patch, non? Avec tous les garçons que je vous ai fait rencontrer. C'était bizarre, mais j'ai eu 5 demandes en mariage depuis que je suis chaste. C'est pas vrai? Ouais. J'ai refusé tout. Qui on peut savoir? Ah, non. Des mecs qu'on connaît? Oui, hein, ce que tu connais, c'est un acteur américain, mais sinon c'est... Genre, Schwarzenegger, allez, vas-y. Non, mais c'est, pourquoi c'est... vouloir rester chaste jusqu'au mariage? Parce que je me dis, si je veux être célibataire toute ma vie, c'est simple, je couche avec les hommes. Et si je veux vraiment me marier, il faut que je... Moi, premièrement, je dépose un petit effort. C'est ta mère qui t'a dit ça? Non, c'est la Vierge Marie.
On va vous remercier. Ron Hartner à l'affiche du Temps du Loup, ça sort aujourd'hui. Et du Divorce. Et aussi à l'affiche du Divorce, le film de James Ivory, Le Temps du Loup étant un film de Michael Haneke. Merci beaucoup, Rona. Je t'embrasse. Ciao, à vite. Ciao. Jean-Marie Le Guen est le député socialiste de Paris chargé des questions de santé publique. Il est d'ailleurs médecin et il a une dent cariée contre les bonbons. Hier, à l'Assemblée nationale, il a fait 4 propositions visant à réduire la publicité pour les sucreries pendant les émissions pour enfants. Parce que après, ça les incite à en manger et ils deviennent tous obèses comme les Américains. En tout cas, c'est en voie en France de devenir très inquiétant. Aux États-Unis, on est loin du compte. Là-bas, il y a même un gros malabar, faut dire, qui fait de la politique. On en a parlé tout à l'heure. Thierry Marquet, le pro de la blague carambar, a testé pour nous les bonbons sans danger. Après, nous recevrons le député en question. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréot. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé le bonbon sans danger. Un lapin, c'est dangereux, les bonbons. C'est Pampan le lapin. Bonjour. En fait, on est du ministère de la Santé. Ça, ouais, ouais. Et on est en train de présenter aux enfants et aux parents, évidemment, les nouveaux bonbons. Croyez-moi, qui ont un goût exceptionnel. Alors, je vais vous demander de goûter. La petite aussi. Prends un petit bonbon. C'est salé. C'est salé, monsieur. C'est du sodium. C'est la nouvelle formule pour les bonbons à partir du 1er janvier. Les bonbons seront salés, monsieur. C'est du sel de Guérande. C'est carrément pas bon, quoi. Vous préférez ? Du sucre. Non mais c'est du sodium, madame. C'est beaucoup moins mauvais pour la santé parce que vous savez que le sucre provoque des caries, provoque l'obésité également. Il n'y aura plus que ça à partir de janvier 2004. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sucre dans les bonbons. C'est écœurant. Comment ça c'est écœurant, madame ? C'est dégueulasse. Alors ? C'est pas bon ? Oh là ! Vous n'aimez pas ? Pourtant ce sont les nouvelles langues de chat, hein. Bah putain, votre chat il est périmé. Sucré salé. Il n'y a plus de sucre dans les bonbons à partir du 1er janvier 2004. Oh non! Ah si, c'est salé, c'est du sel de Camargue celui-là. Hein. Vas-y, vas-y, fini. Ah non, Lucas, tu termines ce chocolat. Hein. Ça, ce sont les nouveaux chocolats. C'est comment? C'est un fait! Je vous demanderai de goûter ce dernier bonbon. Pour... Oh, vous vous rendez compte? Vous m'avez fait tout goûter, j'ai le palais, mais. Non mais vous allez voir, ça c'est vraiment meilleur. Mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est? On dirait du pipi de chat. Tu ne finis pas ton petit chocolat? Comment ça se fait? Tu veux faire de la peine à Pampan le lapin? Tu aimes ou pas, Adji? Tu n'aimes pas? Non, il aime pas. Bon, finalement, c'est un bon remède, les bonbons. Ils s'appellent comment, ces bonbons-là? Ce sont les nouveaux bonbons. Ils vont faire un carton. Trop de bonbons à la télé, trop de publicité. Pour parler avec nous de ce sujet, on va accueillir le député socialiste de Paris qui veut réduire les pubs pour les bonbons à la télévision. Voici monsieur Jean-Marie Le Guen. Monsieur le député, bonsoir. Député et médecin, c'est important de le dire parce que vous connaissez votre sujet. J'essaye. Vous essayez en tout cas. Et manifestement en France, on en arrive à ce qui se passe aux États-Unis déjà. Il y a 10% d'enfants obèses, il n'y en avait que 7 ou 8% il y a quelques années. Et vous avez peur que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, on passe très vite à 20% de petits Français obèses ? Absolument, la France a 5 à 10 ans de retard sur les États-Unis, mais les courbes sont strictement parallèles et donc nous allons atteindre une situation que nous ne pouvons pas véritablement envier aux Américains. Et vous pensez donc qu'il faut légiférer, c'est-à-dire prévenir dans les publicités les enfants du danger des bonbons ? À l'âge de 2 ans, nos enfants regardent plus de 2 heures par jour les programmes de télé et il y a environ entre 8 et 15 minutes de pub. De pub. Ils arrivent. Pourquoi on met pas ça pendant les émissions de vieux? Ils s'en foutent, ils ont plus de dents. Donc déjà, c'est un... Je t'en prie. Non, mais pas, je parle pas pour toi, franchement, parce que... Oui, tu parles. Et vous voulez quoi, en fait? Parce que les pubs, vous n'arriverez pas à les interdire, évidemment. Vous voulez que dans les pubs, il y ait un petit avertissement, un peu comme sur les paquets de cigarettes, maintenant, le tabac tue, il y aurait le bonbon fait grossir, il y aurait quoi? Absolument, parce qu'il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit. L'idée, fondamentalement, c'est d'apprendre aux enfants à dire qu'ils peuvent manger à peu près de tout avec modération et surtout qu'ils ne mangent pas toujours la même chose. Vous imaginez quand même si on met à chaque fois un message. Si sur les paquets de cigarettes, on met « fumer tue », si on met « manger fait grossir ». On peut bien, si jamais on va faire attention à tout, on aura un peuple de dépressifs, parce qu'on aura que des messages comme ça alarmistes. On aura des névroses perpétuelles. Sur les boîtes de haricots, pétez plus. Le retour de Raphaël Mesrahi. Vous ne laissez pas troubler, monsieur. Moi, je ne suis pas troublé.
Je pense qu'il a réagi, c'est donc il a senti qu'il y avait peut-être déjà un expert sur différentes. Bon, je pense que l'éducation, depuis un certain nombre d'années, on charge toujours l'école de toutes les responsabilités. Il faudrait qu'à l'école, on apprenne non seulement à lire, et écrire et compter, mais aussi à s'habiller, à s'alimenter, à être un bon citoyen, à avoir une belle morale. Ça fait beaucoup de choses pour l'école. Donc je pense que la télévision, elle devrait, je ne dis pas qu'elle l'a toujours, mais elle devrait avoir aussi un rôle éducatif. Mais ils le font déjà pour les chewing-gums. Pardon? Les dentistes ont fait, je ne sais plus exactement quel organisme en était occupé, mais je sais que les chewing-gums, à un moment, et ça se fait encore, ils ont créé des chewing-gums exprès qui vont même jusqu'à éviter les caries pour les enfants. Donc ça se fait déjà. Non, ça se fait peu, parce que malheureusement, les produits qui sont... Ça se fait déjà, elle l'a dit. Très bien. Les produits qui sont... Mais ça, il est fou. Non, parce qu'il est sympa, ce gars-là. Merci. Non, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes très sympa. Vous n'avez pas peur, quand même, de devenir le député casse-bonbon? Ah, ben c'est un bon jeu. Formidable. Je crois qu'il a tout à fait raison. Et la réalité, c'est que souvent, les enfants sont seuls devant la télévision. Et ces amendements, ils vont dans le bon sens parce qu'ils renvoient à deux responsabilités. Un, celle des publicitaires et des marchands de bonbons en disant « C'est bon, arrêtez de nous vendre n'importe quoi si ça pourrit la santé de nos gosses. » Mais deux aussi, et il faut peut-être pas parler de corde dans la maison d'un pendu, mais aussi la responsabilité de la télé. C'est-à-dire la télé, elle a un rôle social, elle n'est pas là que pour divertir, elle est aussi là pour dire un certain nombre de choses. Allons-y, Isabelle. Moi, j'ai peur qu'il y ait pour les enfants la juxtaposition entre deux mondes qui lui délivrent deux messages contradictoires. Il y a l'école et les parents qui lui disent des trucs chiants, fais pas ça, tu vas être malade, bobo les dents, etc. Et puis d'un autre côté, les spots publicitaires, le sucre, c'est du bonheur, hein, ce que disent, c'est que des trucs marrants et c'est à ça qu'il faut que les parents et l'école résistent. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que toute une société, le bien-être général, la santé publique, l'éducation nationale et les parents soient obligés de plier devant les marchands de bonbons, devant les publicitaires, devant le côté mercantile des choses? Il n'y a aucun problème à dire, on peut très bien interdire la publicité qui s'adresse directement aux enfants, parce que les enfants, c'est fragile et il faut s'en occuper correctement. On vit dans une économie... C'est une responsabilité collective. On vend des produits, on les achète, bon, c'est comme ça, ça fonctionne. Parce que c'est bon, les bonbons, dans le sens. Mais oui, c'est bon, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Et vous, qui voulez nous sensibiliser aux publicités sur les friandises, qu'est-ce que vous comptez faire contre les publicités mensongères? Parce que, par exemple, moi, j'étais l'autre jour à une fête chez l'ambassadeur, j'ai pas vu un rocher. Est-ce que vous allez y arriver? Parce que ça, c'est une question. Vous déposez 4 amendements, c'est ça, mais est-ce qu'ils vont être votés? Je sais pas s'ils seront votés cette fois-ci, un certain nombre d'entre eux peut-être, mais je suis certain que dans les mois qui viennent, cette idée passera. Parce que je pense que le débat est maintenant lancé. On est en train d'inverser. On se dit, mais en fait, oui, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que finalement, on a accepté depuis des années que les choses aillent comme ça. Les programmes de télé pour enfants sont payés par la pub qui les fait manger des choses qui sont pas bonnes. Alors on va se dire à un moment, ben non, on va arrêter ça, finalement. On a les moyens, on est une société riche, on est une société éduquée. On a les moyens de dire ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Il n'y a pas de fatalité. Vous énervez, Elsa. Ah, mais c'est ça m'énerve. Voilà. Mais c'est d'une tristesse. Mais on est obligé de tout censurer comme c'est ça. C'est vrai, c'est pas bien. C'est la pub. Vive les bombes en couleur. Mais c'est pas grâce ça, à ça, ma vie existe. Vous oubliez juste le problème essentiel. Les parents, qui fait les courses? C'est la maman qui fait les courses, peut-être avec son enfant, qui va lui dire, maman, je veux le truc parce qu'elle a Star Academy, parce qu'il y a Nolwenn. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. Mais okay. Elle est bien éduquée, ta fille. Je vais lui acheter parce qu'il y a Nolwenn dessus une fois. Mais je vais pas lui acheter tout le rayon de bonbons. Non, je vais acheter celui où il y a Emma. Mais moi, savoir. Faire le ménage chez soi, mais donc de Elsa, toujours je brimer tout le monde. Pas, c'est quoi. Que tu puisses constater un phénomène au niveau de toute une société. On a devant nous les États-Unis qui nous précèdent, donc on sait ce que ça va donner. Je ne sais pas si tu as vu déjà des enfants de 12 ans obèses, mais c'est oui, vraiment c'est pas joli à voir, c'est très triste. Oui, mais si et c'est toi, ceux des autres. Et toi, tu arrives, tu dis. Bah ouais, non, mais tu arrives et tu dis non, mais moi, je dis non à ma fille. Mais il c'est faut pas conclure. Ça la dernier question. Dernier mot, monsieur Le Guen. Oui, il y a une chose, je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les gens qui sont trop gros. Je pense que ce n'est pas du tout le but de cette idée. C'est de faire en sorte que chacun, justement, soit responsable et qu'on ne se retrouve pas parce qu'à l'âge de 2, 3, 4 ou 6 ans, on a bouffé des cochonneries. Parce que la moitié de ceux qui sont obèses enfants le resteront toute leur vie. Ouais. Et ils seront diabétiques pour la plupart d'entre eux et ils seront donc malades toute leur vie. Alors, respectons tout le monde et la diversité, mais ne rentrons pas dans des processus. Malgré nous, on nous force quelque part à avoir finalement des maladies qui vont nous handicaper toute notre vie. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir, monsieur Le Guen, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait cette réflexion dans la semaine, qui me dit, mais quand même, les socialistes, en ce moment, vous êtes socialistes. Oui. Alors, ils laissent le gouvernement agir sur tout, on ne les entend pas. Alors, quand on les entend, c'est Ségolène Royal sur la petite culotte et vous sur les bonbons. On a l'impression vraiment que vous ne trouvez rien d'autre pour pouvoir intervenir.
Écoutez, je pense que c'est des questions importantes. Toutes les politiques bon, vous sociales. Vous direz que les bonbons dans le slip, vous auriez pu faire cause commune avec Mme Royal. Mais franchement, il n'y a pas des sujets plus importants. Toutes les politiques sociales qu'on mettra en œuvre n'arriveront jamais à lutter aussi efficacement que ce type de mesure contre l'inégalité devant la santé et devant la mort. Parfait, monsieur Jean-Marie Le Guen. Notre dernière invitée, c'est Sylvana Lorenz. Elle a deux passions dans la vie, vous le savez, l'art et puis piquer des petits fours dans les soirées de jet set, comme de nombreux reportages sur M6 nous l'ont montré. Puis, elle a une lubie, Sylvana, un truc qui l'obsède depuis qu'elle a 9 ans. Elle veut épouser Pierre Cardin, d'où le sous-titre de son livre, Lettre d'amour à Pierre Cardin, publié chez Flammarion. Sylvana Lorenz, le vrai titre, c'est À nous deux, Paris. On ne sait pas si son mariage va avoir lieu, mais en tout cas, ce serait sympa parce que ça fera au moins une soirée showbiz à laquelle elle sera vraiment invitée sans être obligée de s'incruster. Pour tester ensemble À nous deux, Paris, accueillons tout de suite la nouvelle star des médias Jet Set, Sylvana Lorenz. Vous avez déjà reçu il y a quelques mois, peut-être même quelques années de ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je reviens avec plaisir. Vous pensez bien à une émission comme celle-là? Non, parce que tout à l'heure, j'étais dans les coulisses, on me dit elle veut partir, elle est partie. Mais je suis partie. Et finalement, elle est revenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a raté son taxi. Eh bien, je suis une fille intelligente, vous voyez. Finalement, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, il faut que tu ailles la voir dans la loge. Alors, moi, je le dis, devant les téléspectateurs, je ne vais jamais voir les invités. Ça, c'est pas gentil. Alors, moi, je voulais vous coincer dans la loge et vous vous êtes pas fait coincer. Ah, mais non, mais pourquoi? Je vous expliquais, moi, pourquoi je vais jamais dans la loge voir les invités avant. Parce que peur d'être violée. Non, si. Oh, non. Si vous avez. Ouais, alors là, j'irai peut-être plus souvent. Pas forcément aujourd'hui, mais j'irai plus souvent. Mais pourquoi je vais pas voir les invités avant? Parce que si vous allez voir un invité avant, il vous dit forcément. Alors, surtout, vous me parlez pas de ça. Vous me parlez pas de ça. Surtout, pas cette question. Là, pas ce truc-là. Donc, il vaut mieux ne pas aller voir les invités. Bah, vous l'avez échappé, belle. J'allais exactement faire ce que vous dites. Vous prenez pour une star maintenant, Sylvana Lorenz? Ah, c'est fait star, ça, très primadonna. Ben oui, c'est ça, c'est la première fois qu'on a une invitée qui s'en va comme ça. Je ne reste pas si Laurent Ruquier vient. Vous voulez pas qu'on vous parle de quoi, par exemple? Ça, c'est drôle. Isabelle Allons, c'est ma favorite parmi tous ces chroniqueurs. Alors, je vous écoute, Isabelle. J'ai lu ce livre et il est dans la catégorie « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ». Et donc, voilà, il y en a 200 pages et c'est distrayant, pourquoi pas. Et en particulier, elle a une idée que je trouve formidable. Elle veut transformer sa vie en œuvre d'art, finalement. Il y a des artistes qui font des œuvres. Vous l'avez bien lu, oui, c'est ça. Oui, si je vous dis que je l'ai lu, c'est parce que je l'ai lu. Non, mais vous l'avez bien lu, parce que personne ne m'a dit ça avant. Attends, vous pouvez la laisser parler. Sa vie est une œuvre d'art, et le couronnement de cette œuvre d'art, c'est que ce livre est en fait, ça a l'air d'un livre, mais c'est en fait une proposition. Elle propose à Pierre Cardin de devenir son mari. Et je trouve que c'est une très bonne idée que chacun d'entre nous fasse de sa vie une œuvre d'art. La vie serait plus amusante, plus sympathique et plus créative. Et donc, j'ai décidé de défier mes camarades chroniqueurs. Chacun d'entre nous a le droit, pour faire de sa vie une œuvre d'art, d'essayer d'épouser un octogénaire de son choix. Ouais. Et je vous fais les propositions. Ouais, j'aime bien l'art, mais il y a des limites à la déconne quand même. Hein, Donc, en ce qui concerne Elsa, je me suis dit qu'elle pourrait fort bien proposer d'épouser Eddie Barclay. Ah, c'est vrai. Il dirait pas non, en tout cas. Il peut faire de moi une chanteuse. Ah, il dirait pas non. Ah, il dirait pas non. En ce qui concerne Stéphane Pocrin, j'ai pensé à Elisabeth II d'Angleterre. Vous me direz. Formidable. Parce que elle n'est pas du tout écolo. Elle dépensait toute seule, je pense, le budget du Burkina Faso tous les ans. Ouais. Donc je pense que tu aurais beaucoup de choses à lui dire et ça serait assez artistique. À moi tout de suite. Oh, je vous vois bien sur le trône. Ce serait formidable. Attendez. Je me suis dit qu'il ferait très bien avec Liz Taylor. Ah oui, il pourrait lui faire des interviews tous les jours, au petit déjeuner, à l'heure du repas, à la thalasso, chez le masseur, enfin... Je dorerais. Ben, il lui demanderait en quel tissu est sa robe. C'est vrai. C'est une performance. Jean-Luc Lemoine, comme il a beaucoup de talent, j'ai poussé le défi un petit peu plus loin. Je me suis dit que tu vas demander d'épouser le pape.
Ah, d'abord, ça serait vraiment une première. Non, mais attends, tu m'en donnes un, il est tout abîmé, ça va. Je suis désolée, si tu y arrives, ce que je te souhaite... Dépêche-toi. Tu ne serais plus Jean-Luc Lemoyne, mais Jean-Luc le Pape, et ça, c'est une promotion. Waouh, joli. Bravo. Non, pas mal. Quant à Claude Sarraute, évidemment, elle est hors jeu, puisqu'elle a déjà chez elle un quasi-octogénaire de rêve, qui est Jean-François Revel. Et donc, on va tuer hors jeu, parce que tu es déjà arrivé à tes fins et ta vie est déjà une œuvre d'art. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais merci vous, vous étiez, bravo Isabelle, vous étiez amoureuse de Pierre Cardin, bien avant qu'il soit octogénaire, parce que vous aviez 9 ans. Oui, oui, dans quel âge il avait quand j'avais 9 ans, il devait avoir une quarantaine d'années. Ah, et à 9 ans, vous êtes dit, c'est l'homme qu'il me faut. Mais est-ce que c'est pas... Parce que... Non, je vais vous expliquer l'histoire. Ouais. Je trouvais que ma mère ne me regardait pas comme j'aurais voulu qu'elle me regarde. Et un jour, elle feuilletait un journal où il y avait la photo de Pierre Cardin et de Jeanne Moreau. Et je vois dans son œil un éclair d'intérêt que j'aurais tellement voulu qu'elle pose sur moi. Alors je lui dis, qui est le monsieur sur la photo? Forcément, ça m'intéressait. Elle me dit, c'est Pierre Cardin. Et je lui dis, quand je serai grande, je l'épouserai, parce que ça voulait dire, quand je serai grande, maman, je t'épouserai. Et tu t'intéresseras à moi. Et tu t'intéresseras à moi. Et pourquoi? Enfin, aujourd'hui, quand même, votre maman, j'imagine qu'elle est fière de vous. Maintenant, vous êtes médiatisée. Elle a dû s'intéresser à vous, au bout d'un moment, votre maman. Non? Toujours pas. Qu'est-ce que pensent vos parents? Vous ne pensez pas que vous faites des conneries, vos parents, tous les soirs à la télé? Oui, mais ils aiment bien ça. Mon père, il en faisait aussi, il m'a fait. Ah oui, bien sûr. Ma mère aimerait que je présente le JT de Claire Chazal. Ah, c'est là. Ça. Là, elle serait fière de moi. Oui. Là, mais pas avant. Bah, mais elle n'a pas compris comme Isabelle Alonso, alors bravo. Elle n'a pas compris comme Isabelle Alonso que derrière toutes mes performances, il y a vraiment un discours artistique qui sous-tend toute ma vie et toutes mes conneries, entre guillemets. Claude Sarraute. Bah, oui, mais moi je vais te dire, Sylvana, je suis un peu comme ta mère. Voilà, c'est la génération peut-être de ma ta grand-mère, mais je suis un peu comme ta mère. Quand tu passais pour la première fois à Jet Set, j'adore ce genre d'émission, j'ai tout regardé, je t'ai regardé, je n'ai pas pensé une seconde que tu ne jouais pas au premier degré. Elle jouait le rôle, c'était de un rôle c'était en fait, dans un rôle documentaire. De composition, bien mais sûr. Mais attends, c'était impossible à voir pour la madame tout le monde que je suis. Et c'est ça. La fille qui squatte. Madame tout le monde. Ouais. C'est la fille qui squatte toutes les belles maisons de tous les Jet Setters. Je sais plus quelle c'était mes copains. C'était, mais peut-être mon chéri, mais moi j'en savais rien. Oui, savais rien. Je suis là devant mon écran, je me dis alors, quel culot, quelle vulgarité, comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles? C'est ce que toute la France a pensé. Ben oui, tu peux. Alors après, j'ai l'impression que tu as écrit le livre à la limite pour rattraper le coup. Oui. T'as fait vraiment. Ah, tu crois que c'était pas une bonne idée? Ah non, nul. Mais c'est une très mauvaise idée. Au niveau publicitaire, c'est clair. Peut-être que ça te fait. Ça t'a ouvert pour de vrai, tu les avais peut-être déjà ouvertes, la Jet Set. Mais pour le grand public. Pas le prix Nobel, pour le grand public, tu es vraiment. Pour le grand public, ça a marqué, c'est cette image qu'on a de toi. C'est pas un peu facile de dire oui, bah alors vous avez rippé, vous avez un petit peu raté votre entrée en télévision, on peut le dire, ce que vous avez fait dans l'émission Zone Interdite sur M6. Moi, je vous regardais, j'étais accablée, je me disais mais mon Dieu, comment on peut en arriver là quoi. Elle est prête à tout, cette nana. Et là, vous écrivez un livre qui est en train de. Vous êtes en train de nous expliquer que finalement, c'était une performance, c'était une œuvre d'art et vous avez fait de l'art. Alors, est-ce que c'est pas un peu facile? Est-ce que c'était pas une échappatoire pour vous? Mais non, mais dans le milieu, ça fait 30 ans que tout le monde me connaît. Oui. Bon, si vous ne connaissez pas le milieu, forcément, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il y a quand même toute une vie qui est témoin de ce que je représente dans ce milieu. Maintenant, je vois que les médias sont désastrés et sont fâchés que je veuille finalement démolir maintenant un personnage que finalement ils aiment bien. Parce que bon, le jeu de fléchettes est très sympa avec ce personnage. Donc... je ne vais pas pouvoir me la jouer Jean-Yves Lafesse ni Marie-Thérèse Porcher. On est attaché, comme pour Véronique Jeunesse, tu as été Nana, Michel Mercier a été Angélique, Sylvana Loren, ça sera la Picassiette de la Jet Set. Et on veut que ce soit comme ça. Bon, d'ailleurs, Match TV, je suis chroniqueuse, je continue mon rôle de zone interdite. Mais vous avez envie d'en sortir ce rôle? Oui ou non? Non, je n'ai pas envie d'en sortir parce que je suis payée pour ça, c'est mon job. Ce que je voulais, c'était simplement... dire que c'était un personnage de composition. Mais peut-être que c'est une erreur, alors, j'en sais rien. Mais comment est-ce que Cardin, comment est-ce que tu vends ça à Cardin? Il sait déjà tout depuis, parce que ça fait 20 ans que je lui ai... Est-ce que tu crois vraiment que tu vas arriver à le traîner devant le maire? Non,
Parce que dans le livre, et je vois que tu n'as pas lu mon livre, je ne le traîne pas devant le maire, je le traîne devant Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. Et il y a une cérémonie qui est une cérémonie performance avec sur la travée de droite tout le monde de la télé, sur la travée de gauche tout le monde de l'art. Et finalement, c'est comme a dit Isabelle, qui a lu mon livre. Elle a compris. Attends, je te demande bien, pardon, je l'ai lu. Bon, tu vois, c'était le couronnement. Il n'y avait pas de maire, Claude. Non, pas de maire, mais c'est une façon de parler. Jean-Luc Lemoine. Alors, je trouve que vous avez un talent certain pour parler de vous. Parce que c'est pas Sylvana Loren, c'est... J'ai envie de moi. C'est Angélique, marquise de l'art contemporain. C'est ça. Oui, oui, qui passe oui. Dans les bras d'hommes magnifiques et surtout magnifiquement riches, parce qu'il y a très peu de plombiers dans votre vie. C'est vrai. Il faut préciser. C'est une erreur. Et tout est... Qu'est-ce que vous avez dit? Et ça, c'est une erreur. Très bien. Un appel à tous les plombiers qui vont passer chez Isabelle Alonso. Entre autres. Remarquez, je veux bien essayer aussi un petit plombier. Ah, alors, avis aux amateurs. J'ai un tuyau. Maintenant, pour revenir à l'accomplissement de votre œuvre d'art, qui serait l'aboutissement, en tout cas, le mariage avec Pierre Cardin, je voudrais savoir, dans l'art, qu'est-ce que vous faites du concept amour? Ah, mais l'amour... Est-ce que vous aimez Pierre Cardin? Mais je l'aime. Non, mais vraiment... De tout mon cœur. Mais bien sûr que je l'aime vraiment de tout mon cœur. Moi, j'ai perdu 6 mois de ma vie à écrire ce livre, que je lui dédie. Ça, donc, on peut le dire. Je n'ai qu'une seule existence. Je lui ai dédié mon existence. Je lui ai dédié ces 6 derniers mois à 12 heures par jour. J'en ai même attrapé une sciatique à force de rester devant l'ordinateur. Est-ce que dans quelques mois, vous n'allez pas revenir ici en lui disant « Ce bouquin, c'était une performance ». Je vous le dis déjà, c'est une performance. Donc, faut pas croire à un mot. Mais Isabelle l'a dit, c'est une performance, ce bouquin. Et c'est une performance de le lire. Mais pas de lire. Est-ce que ça vous aide, la télé, justement? J'ai plus de succès qu'avant, oui. Pas vous? Forcément. C'est plus facile, oui. Vraiment? Oui, vraiment, vraiment. Vous avez plus d'ouverture? Oui, parce que maintenant, on baise une star. Et ça plaît. Ça plaît. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle a comme chance? Elle se prend pour une star. Mais Claude, ne me dites pas que vous n'avez pas d'occasion, vous aussi. Non. Vous n'avez pas d'occasion, vous aussi? Ah non, moi maintenant, terminé, retirer les voitures. Mais ça n'a rien à voir. Sylvana Lorenz, est-ce que vous étiez au mariage de Clotilde Courault et d'Emmanuel Philibert de Savoie? J'aurais adoré. Je n'ai pas été invitée. Vous savez bien que c'est très difficile, mais j'aurais dû me pointer. On va l'appeler. Partout avec un micro aujourd'hui. C'est le coup de fil à un ami. Nous allons appeler le prince Philibert Emmanuel de Savoie, époux maintenant de Clotilde Courault, pour savoir pourquoi il ne vous a pas invité. Ah oui. C'est vous qui allez l'appeler. D'accord? Bien sûr. Je fais le numéro. Je vous laisse avec lui. Nous, on n'est pas là. On fait comme si on n'était pas là. Ah c'est votre performance dans cette émission. Vous pouvez me laisser un message. Merci. C'est lui, mais vous avez raison. Alors, salut, c'est ta copine de la Jet Set, Sylvana Lorenz. La copine de Pierre Cardin aussi. Écoute, j'aurais adoré être invitée à ton mariage et malheureusement, je n'ai pas pu y être, mais j'ai dévoré la presse et je n'avais pas les yeux assez grands pour regarder ce merveilleux mariage et je dois t'avouer que j'aurais adoré être à la place de la mariée, qui a beaucoup de chance. Alors, mille bises et bravo al principe di Venezia, perché siamo tutti e due italiani. Parfait, bravo! Susanna Lorenz! À nous deux, Paris, c'est chez Flammarion. C'est le livre de Sylvana Lorenz qu'on a commenté, disséqué, ici même. Vous restez avec nous 3 minutes encore pour jouer au tac à finir. C'est parti. Première phrase, une phrase de Béatrice Dalle, à l'affiche du film dont on a parlé tout à l'heure avec Rena Hartner, Le temps du loup. Si j'étais un homme, je serais... Claude. Si j'étais un homme, je serais capitaine. Non, c'est bien lequel. Et ailier gauche. Non. Il n'y en a pas en France. Homosexuel. Non. Je serais amoureuse de moi. Oui. Exactement, bravo Stéphane Potrin. Elle est encore plus forte que moi. Elle est plus forte que vous. Et elle a même ajouté, et je me flirterais. Et elle a même ajouté dans cette phrase, et je me flirterais bien. Exactement. Elle veut s'embrasser seule. Incroyable. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, vous l'avez rencontré? Je rêverais de le rencontrer, mais le je voici. L'ai pas rencontré. Il a dit, hier ou avant-hier, à Pompéi, il a dit, priez pour... Sylvana Lorenz. Ah, oui, j'aurais adoré ça. Pas pour Sylvana Lorenz, pour moi. Pour moi, exactement. Priez pour moi, je vous dis. Et pour toujours. Un dernier pour la route? Oui. Marc Jolivet, vous connaissez? Ah, je suis allée à son spectacle, c'était fabuleux. Parfait, l'Utopitre?
c'est son dernier spectacle. Oui. Mais regardez ce qu'il dit, Marc Jolivet, sur Jean-Marie Bigard. Il dit, un mec comme Jean-Marie Bigard fait le Zénith pour... Me rendre jaloux. Non, mais ça pourrait, oui. Pour faire ça, son ça veut dire ça, à peu près. Pour frimer. Pas pour frimer. Pour faire chier, non. Pour épouser Pierre Cardin. Non. Ah. Pour les presbytes. Non. Pour l'argent. Pour payer ses impôts. Pour ramasser du fric. Pour s'en mettre plein. Pas seulement pour l'argent, mais il dit pour l'argent et pour... Pour battre des records. La flambe. Ouais, pour... Et les filles. Son égo. Pour son égo, bravo. Encore pour l'égo et pour le pognon, dit Marc Jolivet. C'est pas très confraternel, ça. Non. Vous avez la dent dure, vous aussi? Ah, j'ai la grande gueule, aussi grande que celle d'Isabelle Alonso. Mais lâchez-moi. Qu'est-ce que vous allez dire en sortant d'ici à votre meilleure copine ou à votre ami ou meilleur copain? J'ai passé ma journée avec des cons. Non. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais vraiment, franchement, vous pouvez tout balancer sur nous, allez-y. Eh bien, finalement, je pensais que ce serait pire que ça, mais bon, ils sont assez sympas dans l'ensemble. Vraiment, vous pensez ça vraiment? Oui, je le pense. Et plus intelligents qu'ils n'en ont l'air. Surtout. Ça, c'est la vraie vacherie. On se retrouve demain. Bye bye.